Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort de la musique. Coucou! C'est moi, ça fait longtemps, ça fait un mois. Eh, ça fait un mois que je suis pas là, du coup, je me sens un peu timide. Je me sens un peu gêné. Oh, coucou, le retour du roi. Coucou, T-Dog, ça fait longtemps. T'as vu, je reviens du. Ouais, je suis revenu parce que j'avais mes problèmes de son. Bah, il y avait les vacances déjà. Bon, j'espère que le son du micro est pas mal parce que du coup, c'est pas le même micro. Bah, avant, ouais, et du coup, avec le micro que j'ai là, bah, ça va. Bah, j'ai là, il n'y a pas eu ce problème de doublon là, sonore. Le son est propre. Comme moi. Parce que je me suis lavé. Non, je me suis lavé hier soir. Moi, je suis plus team douche du soir. Ah, je sens bon, oui. Oui, et moi, mon savon, c'est du Roger Cavaillès. Des Roger Cavaillès à. Je sais plus, parce que c'est jamais la même parfum. Je suis team douche une heure avant le. Ah ouais, juste avant de dormir. Moi, je peux comprendre. Bah, moi, non, parce que c'est compliqué, parce que comme il faut que je me lave avec les gosses. Enfin, tu vois, je me lave en même temps que. En fait, je me lave toujours avec un enfant au moins, parce que bah, le plus petit en général. Et tu vois, c'est un peu une sorte de rituel, tu vois. Genre, il se lave avec moi. Après, bah, je le sèche, je lui lave les dents et il se couche, tu vois. Puis après, avec Marie, on peut regarder, tu sais, genre, des films où joue un jeu vidéo, etc. Mais ouais, en tout cas, je suis team douche du soir parce que moi, je ne supporte pas me coucher en étant sale. Enfin, ça, je veux dire, même si j'ai pas fait grand chose pendant la journée, là, je suis resté à la maison, par exemple, faut quand même que je me lave le soir parce que après, j'ai l'impression bah, que je suis sale, qu'il y a genre comme un film plastique, enfin, c'est genre un film de saleté, un film plastique, tu sais, qui me gêne, ça me gratte et tout, tu vois. Il faut que je me lave le soir. Et ouais. Oh là là, j'ai 4 pubs. Oh non, 4 pubs. Oh non, 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 moi je veux pas qu'il y ait des pubs. Hein. Ah, faut que je corrige ça. Hein, sans... Attends, je vais essayer de corriger ça. Le coup des pubs, ça va pas du tout. Hein. Moi, je sais pas pourquoi ils me font ça. Hein. Je sais qu'il y a deux streamers à qui ça arrive. Ah ouais, non, non, moi je veux pas. Je vais regarder si on peut pas virer les pubs tout court. Attends, je vais aller dans mes paramètres. Ouais, mais j'espère qu'ils vont pas me dire... Est-ce que tu me réentends, là? Est-ce que les pubs sont finies? Ouais, ça me fait chier, par contre, qu'il y ait de la pub. Tu me diras quand la pub, ce sera fini. Mais il faut que je dégage ça. Puis c'est vrai que ça fait un mois et demi que j'ai pas retouché à mon... Déjà, ça avait fait ce problème-là avant... Bah, avant. Et ouais, moi, je veux pas qu'il bombarde de pubs. Mais je crois qu'il y a des paramètres... Hein. Ah, c'est où le pub? Qu'on change la pub là-dedans? Ouais, moi je veux pas de pub. Hein. Franchement, ça me fait. Mais non, mais je sais qu'il y a deux streamers que je regarde. Pareil, ils se tapent plein de pubs et bah, je sais pas, ils ont foutu Twitch. C'est comme s'ils avaient automatiquement. Tu vois, balancé. Tu vois, ils ont dû changer les trucs par rapport aux pubs. Je viens de voir ma première bande-annonce de Blackpool. Ah ouais? Ah, moi, ça me fait chier qu'il y ait plein de pubs comme ça en plein milieu. Hein. Ah ouais, moi je vais... Alors soit je vérifie là maintenant, ou alors je vérifierai tout à l'heure. Hein, que là, j'aurai peut-être pas le temps. Mais je vais essayer de voir... Elle est pas trop forte la musique du jeu? Parce que là, tu vois, on sent que c'est un peu zinzin. De Black Panther... Ouais, genre Black Panther 2, là. Ouais, moi non plus, je crois que j'ai jamais vu... La musique, elle est trop énervée, la musique. Trop énervée. Attends, bah, je vais mettre la compil chill. Je vais mettre la playlist chill. Voilà, comme ça, c'est des musiques plus calmes. La musique pas trop forte, ça va, ça va. Vu que ton live est lancé, tu pourras peut-être pas check les paramètres. Ouais, ouais, bon, bah tant pis. C'est le niveau aquatique de conquête. Non, la musique, non, c'est FF7 Remake. C'est le thème de Jesse. Et bon, bah tant pis, hein, on va se taper de la pub. Hein. Celle d'avant, non, c'était... C'était, je ne sais plus, celle d'avant. Non, c'était... comment s'appelle le jeu avec les robots, là? Enfin, Into the Breach, je crois que c'est ça. Enfin, celle encore avant, peut-être, parce que comme après, j'ai rechangé... J'ai pas joué à FF7 Remake. Bah, c'est bien FF7 Remake. Moi, franchement, c'était un projet... Je le voyais un peu loin hein, quand je voyais les trailers, je me suis dit ça peut être bien, mais
Sincèrement, comme je suis déçu de Square Enix depuis, tu sais, enfin, no, notamment avec les FF depuis, depuis le 12, en fait. Du coup, pour moi, je me suis dit, bon, ok, on verra bien. Après, j'aime pas FF. Oh! Non, mais c'est bien FF7 Remake. Moi, je trouve que c'est une très bonne. C'est intéressant comment ils ont justement. Enfin, comment est-ce qu'ils se sont posé la question de est-ce que c'est utile ou pas de faire un remake? Enfin, si, ils se sont vraiment questionnés sur l'intérêt de se réattaquer à un gros monument comme ça, tu vois. Du coup, c'était très bien. Je suis pas très JRPG, j'arrive rarement à entrer dans l'univers. Bah moi j'étais très fan de JRPG et puis j'ai un peu délaissé le genre, j'avoue. J'aimerais bien faire Persona 5 parce que tout le monde dit que c'est trop bien et j'avoue que ça m'intéresse. Mais j'avoue qu'en fait il y a eu tellement. En fait c'est tellement un. C'est un genre très codifié, mais j'allais dire en même temps c'est un peu le cas pour beaucoup de types de jeux. Mais sauf que j'ai joué à pas mal de JRPG pendant longtemps, notamment sur PlayStation 1 et PlayStation 2. Puis je crois que ça m'a. Au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. Puis je crois que c'est un peu venu de pair avec les déceptions. FF12 ça m'a un peu saoulé, FF13 ça m'a bien saoulé, tu vois. Et puis autour de ça, il n'y avait pas des trucs qui m'ont hypé de ouf, tu vois. Toi, je jouais à des jeux comme Eternal Sonata, plein d'autres trucs. J'ai commencé Lost Odyssey aussi un petit peu, mais à ce point, il est bien Lost Odyssey, il faut que je le fasse. Mais ouais, non, j'avais fait surtout Blue Dragon qui était tellement OSEF, hein, tu vois. Moi, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à jouer en même temps, on pourra parler en même temps. Attends, ah, la lamette, elle s'est éteinte. Ah merde, elle s'est éteinte, j'espère que ça va. Mais en tout cas, ouais, JRPG, mais là, j'avoue, Persona 5, ça m'intéresse pas mal. Si, j'ai fait Dragon Quest 11 il y a 2 ans et demi. Le gaming Dragon Quest 11, c'était sympathique. Hein. Mais tu vois, c'était sympathique, mais tu vois, j'ai pas été transcendé, tu vois, je me suis pas dit, oh, ah putain de merde, enfin, c'est des jeux que tu fais un peu en. Tu manges des chips en même temps, enfin, en plus, Dragon Quest, c'est tellement classique. Hein. Après, ça fait partie du truc, hein. Je comprends. Hein. Je ne juge pas les gens qui adorent Dragon Quest. Hein. D'ailleurs, j'ai un très bon ami qui aime Dragon Quest. C'est quelqu'un de très bien. Attends, regardez, jeu numéro 2. J'ai lancé le jeu en même temps. Ah, on voit l'image du jeu. Alors, j'espère que la manette va marcher. Alors, ouais, j'ai jamais été trop JRPG, mais Dragon Quest, j'aime bien. Ah, bah, tu vois, j'ai défoncé un Dragon Quest sur DS. Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu le revendre? Au lieu de le casser? Attends, je vais mettre ça là. Alors j'espère que la manette va pas. Ça va ça? Ah. Non, ça va. Non, parce que comme la manette s'est éteinte. Non, Dragon Quest, moi j'aime un peu bien, mais bah, j'ai fait surtout le 8 à l'époque sur PS2. Mais tu vois, c'est toujours un peu agréable hein, quand même à faire un hein, et tout. Enfin, ça, tu vois, il y a quand même une certaine rythmique plutôt. Plutôt bien bien géré, tu vois. Bon, ben, au bout d'un moment, ils font ça depuis des années. Mais tu vois. Mais non, je l'ai pas cassé. J'ai beaucoup joué. D'ailleurs, j'ai toujours. C'est lequel? C'est le. Enfin, c'est les épisodes qui sont ressortis, là. Ou le 9, peut-être. Le 9 qui était un petit peu multi, là, où tu peux créer ton personnage. Alors. Ouais, du coup, je reprends Donkey Kong. Hein. C'est le jeu que j'avais commencé il y a un mois. Alors mon dernier stream, et si ça me saoule trop, je ferai le 2. Et voilà, je mets le son. Alors ça va le son du. Alors ce micro-là est vraiment moins buggé que l'autre quand même. L'autre en fait c'était le téléphone. Du coup parfois, l'avantage c'est qu'on pourra m'appeler, je serai plus obligé d'être en mode full personne ne peut me contacter, tu vois. Il peut pas le contacter, il fait du stream. Sache que j'aime beaucoup la blague de Donkey Kong Country Delice. Ah oui, ah putain, c'était un truc que j'ai écrit, c'est ça? Ah oui, c'est moi ça, non? Enfin, c'était moi qui ai écrit ça sur la présentation du stream, non? C'est ça? Je sais que ça me dit quelque chose. Le mec qui se souvient même plus des conneries qu'elle a écrites. Ah, c'est déjà un boss! Ah, c'est les boss nuls de Donkey Kong Country. Bah, à vrai dire, on s'en fout un peu. Hein. Oh! C'est le titre de ton stream. Ah putain, ouais, c'est ça, ouais. Mais en plus, je me suis dit, mais c'est moi ça qui écrit ça, mais comme c'était il y a plus d'un mois, je me rappelle plus. Bah, placement de produit! Nintendo! Bon, ça va au niveau du son du jeu, genre on entend le jeu là? Parce qu'il faut quand même qu'on entende le jeu. Est-ce que si je mets plus fort un tout petit peu là, comme ça? Voilà, j'ai remis un petit peu plus fort.
Ça va, on entend le son du jeu, parce que je sais qu'il y avait un stream là, peut-être pas, c'est peut-être pas le dernier, mais peut-être celui d'avant. Bah, le son était pas fort du tout, et je trouve que c'est un peu glauque, parce qu'on entend rien, on entend juste le bruit de la manette, tu vois. Et... Ouais, là c'est pas mal. C'est pas mal, c'est juste pas mal, c'est-à-dire que c'est pas extraordinaire, tu vois. T'oses pas me dire que c'est nul à chier, mais en même temps, tu peux. Ah, tu veux monter un tout petit peu. Tout petit peu. Un tout petit peu, ouais, ok. Un tout petit peu. Une seule fois. Non, parce que c'est mon fils, c'est qui dit ça, c'est mon fils de 2 ans qui fait une seule fois. Parce que comme il veut qu'on lui relise 40 000 fois les mêmes livres, bah des fois on lui dit non, mais c'est bon, ça me. Tu sais, voilà, je te relis une seule fois. Et lui après il fait une seule fois. Ah, ça a fait un peu plaisir parce que ça permet de rejouer en même temps à des jeux. C'est marrant parce que là du coup je joue avec la manette 360. Ça me fait tout bizarre parce que comme en ce moment on joue beaucoup sur notre nouvelle Xbox Series X là. Bah, ça fait tout bizarre. Puis comme pendant des années on était sur PS4 là, bah du coup ça fait presque tout bizarre de retoucher une manette 360 parce que c'est pas tout à fait pareil. Bah, déjà c'est plus lisse que par exemple que la manette même PS4 ou Xbox Series X. Ah du coup il allait bien le son, c'est cool. Tu vois, parce que là elles sont toutes lisses en fait, genre les manettes 360. Ce qui est pas désagréable, hein, mais tu vois, comme le pad Xbox Series X, il est. Tu vois, genre il grippe bien, tu vois, alors il agrippe bien les mains. Ouais! D'ailleurs, le pad 360, le pad Series X, qu'est-ce qu'il est bien, putain, je trouve ça trop bien. Ouais, il n'y a pas le petit grip. Ouais, voilà, tu vois. Mais après, elles sont très bien. Je sais que les mettre 360 pendant longtemps, c'était celle que je préférais. Merde. Tu vois, genre. Comment on fait déjà pour. Merde. Merde! Ouais, pour. Ah. Mais ouais, les pas 360, c'était très bien. N'empêche qu'ils ont été très longs. Enfin, ils reviennent de loin quand même, Microsoft, parce que la première Xbox. Alors, déjà, la première Xbox, elle était moche! Ah, quand ils l'ont présenté là, quand c'était Ed Fries qu'il avait. Ouais, enfin, j'avais vu hein, il y a très longtemps, hein, bah, avant qu'elle sorte, et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette console trop moche? En fait, elle avait une tête de... Bah, moi, je pensais... Je crois qu'elle avait une tronche de console qui n'était pas finie. Parce que souvent, t'avais des consoles où tu vois des esquisses ou des images de... Un peu design à quoi elle pourrait ressembler. Ça, genre la PS2, il y avait eu ça, par exemple. T'avais ça aussi pour la Dreamcast, je crois. D'ailleurs, j'ai commencé le God of War sur PS5. Tu l'as fait sur PS5 ou tu le fais sur PS4? Pour savoir, parce que bah, nous, on aimerait bien le faire, mais bah, ce sera sur PS4, du coup. Qu'on n'a pas la PS5 vu que maintenant on est passé à l'ennemi. On est passé à. Et ouais, on fera sûrement sur PS4. Bah, pas tout de suite parce que tellement. Ouais, et du coup, la Xbox 1, je la trouvais tellement laide. Et la manette, qu'est-ce qu'elle était nulle la manette, putain. Et mais moi, je l'ai eu après. Bah, en fait, c'est un copain qui me l'a revendu très vite. Et très vite, j'ai eu le pad, le tout petit pad qu'ils avaient ressorti pour le marché japonais. Tu vois, c'était un peu. C'était un peu bizarre comme. Parce qu'il avait sorti. Parce qu'en fait, l'autre, c'était une énorme manette pour les Américains, tu vois. Et c'était un peu insultant pour tous les bords, parce que, tu vois. Parce que c'était genre. Ils sortent la grosse manette pour les, genre, les camionneurs d'Américains, tu vois. Et après, ils avaient ressorti le modèle S, je crois, s'appelait, de la manette de la première Xbox, tu vois. Et c'était un pad tout petit, tu vois, pour les petites mains des Japonais, tu vois. Et bah, cette manette-là, elle était super. Comme moi, j'ai justement des toutes petites mains. Et même et tu vois et ça je crois qu'elle préfigurait un peu ce qu'allait devenir la manette 360 ouais parce qu'ils sont revenus loin entre la console trop moche alors que la 360 elle était belle tu vois enfin, elle était plutôt jolie quoi ah merde je suis mort eh bonjour Zep comment ça va? Semblerait que sur PS4 c'est un peu galère la console a du mal à suivre. Non, ce qui paraît, ça va. J'ai vu des comparatifs, c'est très joli, mais par contre, la console, elle souffle beaucoup. Enfin, elle fait beaucoup de bruit. Déjà, moi, sur God of War 1, ça fait énormément de bruit. Comment ça va, Zep? Est-ce que tu t'en sors, Zep, avec le petit bout? J'arrive pas. Je déteste ce niveau, ça me fait. Je vais peut-être sauvegarder d'ailleurs. Parce que moi, j'aime pas ces niveaux. Je sais que quand je pense à ce jeu-là, bon, bah, je pense au fabuleux passage au début. Mais je pense aussi à
tous les passages merdiques comme ça dans les mines. Et malheureusement, c'est devenu un peu un trope des Donkey Kong Country, c'est de refoutre des niveaux dans des mines. Et je trouve que c'est parmi les pires niveaux des jeux de plateforme. Je sais que j'ai déjà redit, je sais, parce que comme je suis une vieille personne, je radote, mais je supporte pas. Je sais que les gens crachent sur les niveaux aquatiques dans les jeux, que moi j'aime plutôt bien. Même quand j'étais petit, je crois que ça cool. Je me disais, ah, un niveau aquatique, trop bien. Mais par contre, les trucs comme ça, avec les mines et les volcans. Niveau avec des volcans, j'aime pas. Ah, ben, j'ai été servi avec Donkey Kong Country Returns, là. Sur Wii, que j'ai fait cette année, d'ailleurs. Parce que le monde de fin, c'est un volcan. Il y a quelques passages super, super casse-couilles, quand même. Ah, j'aime pas. Puis il faut avoir des réflexes quand même incroyables, quand même. Ah, c'est trop dur. Je trouve le gap qu'il y a eu entre la première Xbox et la 360 était monumental. Tu veux dire graphiquement ou au niveau design? Genre vraiment, la première Xbox était moyen et la 360 masterpiece. Ouais, bah, la première Xbox, moi je l'avais, j'aimais pas trop. Finalement, tout ça, j'étais content de jouer à Halo. Ou alors c'était des trucs, mais j'aimais pas, ouais, l'interface, le... Tu vois, le un peu tout, tu vois, le... Ouais, et la 360, t'avais vraiment un... Bah déjà, l'interface de la 360 était beaucoup plus sympa. Enfin, je veux dire, dès le début, hein, je m'étais dit, ah, ils ont appris leur erreur. Enfin, je m'étais dit... et dès le début, ouais, puis ils ont pu profiter du fait que c'était les seuls... Bon, les seuls sur le marché... Ah, mon Dieu. Je sais qu'on peut accélérer, mais c'est un peu énervant, ça. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde. D'ailleurs, j'aimerais bien faire Tropical Freeze là sur Switch. Ah, la sortie, putain. Je trouve le gap. Ouais, dans les Donkey Kong récents, ils ont bien refait le niveau de chariot, je trouve. Ah ouais. Ah bah remarque sur ouais, il y en avait. Ah, moi il y en a un qui m'avait un peu fait chier. Il y avait un boss comme ça dans l'épisode de Wii là, qui était un peu relou. T'as un boss justement sur des mines, sur un chariot comme ça, et t'avais un ennemi qui te balançait des trucs. Il m'a un peu fait chier. C'est un peu un des boss qui m'a plus fait chier. Ah, tu vois, vraiment, pour moi c'est un peu le trope qui me fait chier dans Donkey Kong. Alors, est-ce qu'on peut aller plus vite? Oui, comme ça on va plus vite. Parce que du coup, là, je suis en train de me réhabituer aux touches. Et voilà, tout ça, on a un peu parlé de la Xbox, tout ça, parce que je parlais du fait que je jouais avec le pad 360, qui est quand même un des meilleurs pads. Tu vois, là, je sais que pendant toute la génération précédente, là, de consoles, la DualShock 4 est pas mal, mais tu vois, ça m'a... Je sais que quand je retouche au pad 360, je me dis toujours, ah, c'est dommage, je préfère quand même le... Mais les gens ne sont pas tous d'accord, parce que j'avais pu écouter un débat, je sais plus sur quoi, qui parlait de la meilleure manette, et tu te rends compte que les gens ne sont pas du tout d'accord, parce que t'en as qui préfèrent vraiment le côté asymétrique des sticks, comme moi. Hein. Moi, je préfère que ce soit asymétrique. Et globalement, la prise en main, ouais, de la 360 et tout ça. Et ensuite, j'imagine, de l'Xbox One que j'ai jamais touché de ma vie. Et la nouvelle série X, qui est un peu... Bah, qui est dans la continuité, quoi dire. Et il y en a qui préfèrent la DualShock, le fait que ce soit un peu plus vers le bas, enfin que les deux sticks soient vers le bas. Et moi, j'aime moins. Bah, ça va, hein, c'est pas... Globalement, toutes les manettes, ça va aujourd'hui. Enfin, ce sont tous plus ou moins tous homogénéisés, tous au même... plus ou moins. Hein. On est sorti de toutes les expérimentations de l'époque. Ah ouais, mais Donkey Kong, il faut jouer avec la vraie manette. Hein. J'étais pas fan du pad PS3, PS4. PS3, PS4, ça va. Moi, j'aime pas du tout, par contre, la DualShock 3, parce qu'en fait, on a eu deux DualShock 3 qui sont mortes. Alors, je sais qu'on les a achetées d'occasion. Mais bon, comme d'autres manettes, mais non, mais même, elles avaient échec. On a eu deux problèmes différents. Une DualShock, au bout de quelques semaines, il y avait le bouton carré qui avait du mal à s'enfoncer. En fait, c'était trop pénible et c'était pas agréable, en fait, à jouer. Du coup, on l'a changé, et l'autre patte qu'on a eu,
Bah, il y a un problème, y a un gros, une sorte de gros drift, tu vois. Et puis du coup, on s'est dit, tiens, ça fait chier. Et du coup, le pad. Et même, je l'aime moins le pad, enfin, le pad PS3 parce qu'il est. Je sais pas, je trouve qu'il est très léger. J'allais dire, il fait très plastique. Ça paraît très, très con de dire ça parce que c'est le cas de, tout, de toutes les manettes. Mais je trouve qu'elle fait toc, tu vois. Celle de la PS4 est mieux quand même. Bah, c'est la meilleure DualShock, je pense. Hein. Celle de la PS2. Après, c'est finalement. Tout ça, c'est les mêmes. C'était pas. Et apparemment, la PS5, je l'ai pas trop touché. J'ai touché une fois à la Fnac. Sans jeu, donc bon, bah. Et je préfère la manette la plus massive, ouais. Mais par contre, quand elles sont trop grosses, j'aime pas trop. Ah! Vous avez vu? Vous avez vu? Je sais que quand elles sont vraiment grosses, ouais, c'est pas. Ça me fait. Après, bon, elles le sont jamais vraiment, tu vois, finalement. Oula. Ah, je peux sauter dessus, je savais pas. Avec la grenouille là, je peux sauter sur les guêpes. Oh. Non, là, je suis vraiment content de la manette de la Xbox, la nouvelle. Je sais qu'on a fini plein de jeux là, du coup, dessus. Grâce au Game Pass notamment. Hein. Mais pas que, parce qu'on a acheté Dead Rising 3. Alors, ça, c'était surtout le jeu de ma compagne. Surtout le jeu de Marie, ouais, du coup. Même si j'aime bien Dead Rising, hein, mais là c'était surtout pour elle. Et du coup, bah, on a aussi Cyberpunk. Oh! Et ouais. Tit tit. Ouais! C'est tout, du coup, après il faut juste se laisser mourir. Coucou Gallium! Ça va? Ouais, t'as vu? Après un mois et demi, tout ça parce que j'avais un problème de son. Bah, ça dit, il est peut-être toujours là parce que c'était un autre micro et j'ai branché un vrai micro, on va dire. Et il y a plus problème de doublon, à mon avis. Alors, c'est pas vraiment un problème d'OBS, à mon avis. Hein. Je pense que c'est un problème de Windows, hein, parce que ce doublon. Enfin, genre, je m'entendais même quand je coupais OBS, donc c'était. Même Marie et Dead Rising, je me souviens qu'elle aimait beaucoup. Ouais, bah là, le 3, elle l'a fait. Malgré le fait qu'elle travaille et tout, bah, elle l'a quand même fait genre 4 ou 5 fois en un mois. Alors qu'en fait, est-ce que comme Marie, c'est elle aime bien faire les jeux à fond et les platiner quand elle peut. Bah là, elle a essayé de faire le plus de succès, du coup. Son dédoublé. Ouais, il y avait un problème de son. Et je. Mais tu vois, ça me l'avait déjà fait, mais c'était des problèmes que j'arrivais à régler. Enfin, le son dédoublé. Tu vois, en entrant dans les paramètres OBS et tout. Mais là, je pense que c'était un son Windows. Je sais pas à quoi, mais. Après, c'est bizarre parce que ça arrivait en même temps qu'une mise à jour. Qu'une mise à jour OBS. Donc c'est ça, moi, qui je trouve ça bizarre. Et là, j'ai utilisé un autre micro. Et dès le début, enfin, dès que je l'ai branché, bah, y a pas eu ce son. Enfin, y a pas eu le problème sonore. Merde. Ah, j'aime pas ces trucs-là, ils sont un peu stressants. Ouais. Oulou. On perd du temps! Bah ouais, mais comme je me suis fait toucher. Dommage que les licences tombent un peu dans le caca. De quelle licence tu parles? Ah, de Dead Rising. Oui, c'est pareil, genre le 4, il est pas bien. En tout cas, Marie était très contente du 3. Elle trouve que peut-être que les boss sont peut-être moins intéressants, les psychopathes. Mais globalement, elle était très contente. Après, elle préfère le 1 et le 2, hein, surtout le 2, comme moi. Enfin, moi, le 3, je l'ai pas fait, mais entre le 1 et le 2, je préfère le 2. Mais le 3 elle a quand même bien aimé. Et je sais, ouais, ce qui paraît, le 4, c'est vraiment pas bien ce qui paraît. J'avais vu une vidéo comparative entre le 1 et le 4. C'est pour voir. Bah, tu vois que le 1, en fait, il pousse beaucoup les petits détails, tu vois. Les petits détails physiques, la physique, les petits détails qu'il y a dans les magasins, etc. Et puis même plein de petites animations qu'il y a parfois. Et bah, dans le 4, c'est plein de choses comme ça qui disparaissent, quoi, vraiment. Enfin, je veux dire, le jeu est arrivé à être moins détaillé sur plein de points que le premier, tu vois. Je pense qu'ils ont fait ça un peu à l'arrache. Après, on sait pas dans quelles conditions. Peut-être que. Putain! T'as try hard Donkey Kong. J'ai enfin réussi à finir en Super Smash Bros. 3 hier. Ah oui! C'est dur en plus, Super Smash. Super Smash Bros. Super Mario Bros. 3. Moi, je sais que c'est un jeu que j'ai pas connu, hein, parce que moi, j'avais pas de NES. J'avais.
J'ai failli avoir une NES d'ailleurs. À la place d'une Mega Drive. Enfin, j'avais demandé une NES. Moi, j'étais sur CPC, sur un 3CPC. Puis bah, je voulais avoir une NES, parce que genre, je voyais des fois la télé, Mario, des trucs comme ça. Et parce que c'est grâce à mes parents que j'ai une Mega Drive. Parce qu'en fait, ils m'ont dit. En fait, je pense qu'ils ont dû aller dans un magasin à Paris, tu vois, comme ça. Et il y a un vendeur qui leur a dit. Il a dit qu'il allait avoir une console Sega qui allait sortir une nouvelle, parce qu'elle n'était pas encore sortie. Hein. C'était ouais, en 89, ou, je sais pas, un truc comme ça. Ou... Donc, je crois que chez nous, c'est en 90 qu'elle est sortie. Et ma mère, elle m'avait dit, ah, est-ce que tu veux attendre un petit peu? En fait, c'était soit j'allais avoir la NES à mon anniversaire tout de suite, donc dans une semaine, ou elle m'a dit, ou soit est-ce que tu veux pas attendre quelques mois, parce qu'il allait avoir une... Merde. Il allait avoir une nouvelle console qui allait être trop puissante, trop bien et tout. Et n'empêche que hey, c'est quand même chaud. Enfin, je suis quand même un peu fier de mon moi du passé, parce qu'un enfant, c'est rarement patient, tu vois. Ça n'a pas la notion de... Enfin, après, j'avais 7 ans, un truc comme ça, ou 7-8 ans. Ben, j'ai eu la sagesse d'attendre. Et cette sagesse fait que, après, j'étais pro-Sega. Ben, si, je pense que je suis quand même très content. Parce que, tu vois, genre, ben, j'aurais été content avec une NES, mais... Tu vois, je suis quand même content de me dire que j'ai pu connaître ben, genre, les débuts de Sonic. J'ai joué à Castle of Illusion, etc. À Guns N' Roses. Walter Red Beast! Allez les Mogis, je te laisse! Ah, tu vas au boulot! J'ai triché, j'avoue, mais rewind le World 8. Ah ouais, non, mais moi, de toute façon, moi, à peine à la moitié Super Mario Bros 3, j'y arrive pas. Hein. J'aurais jamais pu le finir à 10 ans sur ma NES, ouais. Ah ouais, ouais. Bah, du coup, bah, bisous, petit duck. Hein. Moi, cette année, j'ai eu le bundle TMNT NES. Le bundle? Du coup, impossible de négocier une 16 bits durant toute la jeunesse. J'étais pas équipé. Ouais, bah moi, tu vois, heureusement que mes parents m'ont dit. Du coup, ouais, ils ont dû avoir l'info via un vendeur, tu vois. Et du coup, c'est quand même cool, tu vois. Oh. Ah, 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 ah. Ah bah dis donc, ouais, faut faire les bons skips en trouvant les trois flûtes. Ouais, mais oui, oui. En tout cas, pour mon histoire de. Attends, je vais sauvegarder. Ah, je suis déjà au prochain boss quand même. Tu sais, pour l'histoire du. Ouais, de la Mega Drive, du coup, je lui ai en bundle avec la Turret Beast et Guns N' Ghost. Et ce qui était très drôle, c'est que. Bah, ça, je sais que ça, j'en parle dans un des textes. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est ma mère, en fait, qui a eu l'idée d'acheter Guns N' Ghost. Et parce qu'en fait, elle m'a dit, c'est qu'elle avait vu le jeu en. Genre en démo. Alors, ma mère, elle joue pas du tout aux jeux vidéo. Et du coup, elle a vu dans le magasin, elle m'a expliqué, oh là, ah, puis je t'ai pris un jeu où il y a des beaux oiseaux et tout. Du coup, moi, je savais pas ce que c'était, tu vois. Parce que oui, en fait, et Guns N' Roses, en fait, elle parlait du début, en fait, elle était impressionnée par les grands oiseaux qui volent à un moment donné. Parce qu'en fait, dans le jeu, effectivement, tu sais, il y a des espèces de vautours, tu sais, qui sont sur les branches et qui te sautent à la gueule, tu vois. Du coup, elle trouve ça beau. Du coup, ça me fait marrer parce que c'est quand même un jeu un peu glauque, Guns N' Roses. Les beaux oiseaux, oui. Du coup, je trouve ça un peu mignon, tu sais, c'est un peu, c'est la daronne un peu genre naïve et innocente, tu vois, et pure. Alors que c'était un peu glauque, enfin, c'est pour même un gamin de 7 ans, tu vois, c'était cool, hein. Mais il y avait un petit côté, oh là là, ça fait peur, c'est un peu morbide et tout. Du coup, c'est elle qui m'a acheté Guns N' Roses. En tant que premier vrai jeu, même s'il y avait déjà le Turret Beast dedans, tu vois. Et il y avait le CD, il y avait un CD de musique avec 4 pistes que j'aimais bien. C'était 4 musiques réarrangées de. Bon, c'était 4. Il y avait une musique de Phantasy Star, de Power Drift, justement d'Altered Beast, et de Phantasy Star 2 et de Space Harrier 2. Et c'était des reprises un peu rockifiées, on va dire, de la SST là. De la Sega Sega Band, je sais plus quoi. C'était le groupe Sega là de l'époque qui s'amusait en fait à reprendre des grands thèmes du coup de Sega. Ah merde. Les beaux autres. Oui, les voitures du niveau 1. Bah ouais, et du coup bah elle trouve ça beau. Ah merde, j'arrive pas. Mais je peux pas avec lui. Ultra dur. Merci le cadeau empoisonné, même si c'est un super jeu. Ah du coup, ah oui, le Mario. Ah mais bah moi le Mario 3 je voulais l'avoir parce que j'avais vu le film là, Video Kid, espèce de grosse promo pour la NES
Et dedans, bah, comme ils font c'est les prémices de l'e-sport, en fait, bah, le gamin, comme il fait un concours sur ce jeu-là, bah, moi, du coup, je me dis, ah, trop bien. Après, ce truc-là, c'était après ça. Enfin, c'était pas ce film-là qui m'a donné envie d'avoir une NES, hein, parce que c'était déjà avant que je voulais déjà avoir une NES. Comme j'ai pas eu ni la Super NES ni la Mega Drive, par contre, je me souviens très bien avoir eu l'OST de Donkey Kong Country en cadeau avec Donkey Kong Land. Ah, c'est cool ça! J'ai connu ce film qu'à l'époque, l'avait gêné. Ah bah moi je l'ai vu, en fait je l'avais loué. C'était un film que j'avais loué, Video Kid. Et n'empêche que même petit, que j'ai dû le voir à 9-10 ans, je crois, un truc comme ça. Même petit, je crois ça un peu nul. Enfin, je crois ça un peu. Après, quand t'es petit, tu sais, tu trouves pas forcément les arguments ou tu mets pas forcément le doigt sur ce qui t'a déplu, tu vois. Déjà que quand t'es adulte, enfin moi en tout cas, je suis pas toujours capable de définir ce qui m'a déplu dans un film des fois. Ou alors il me faut du temps. Ou alors c'est l'heure du revisionnage. Pareil pour un jeu. Bah, là du coup, je me rappelle que je trouvais ça un peu nul, mais je l'ai quand même vu 3 fois. Hein, parce que bah, comme je l'avais loué, je m'étais dit, bah allez, il faut que je le rentabilise. Merde. C'est un Stand By Me du pauvre avec du Nintendo. Ouais. Après, Stand By Me sans meurtre, enfin sans cadavre. Non mais ça aurait pu être un, tu sais, genre un chouette feel good movie, enfin feel good movie, tu vois. Mais non. Ouais, puis c'est que ça, effectivement. Moi, je sais que c'est un film où c'est que du placement de produit. Mais pour se remettre dans le contexte, dans les premières images de Super Mario Bros. Aux États-Unis, plus d'un an et demi avant la sortie US. Ouais, je sais, c'est un. Puis c'est un film que j'ai jamais revu, et puis bon. J'ai jamais eu envie de le revoir, même pour le montrer à ma compagne. Parce que je sais qu'il y a une période où on se montrait tous les films qu'on a connus étant jeune, tu vois, ou petit. Enfin, j'avoue que celui-là, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois. Ah! Oh, les beaux oiseaux! Non. J'ai l'impression que c'est un fromage, ça, là. Ah, d'ailleurs, en parlant de trucs Inca, là, parce que là, je vois le décor. Hier soir, on a revu, bah, avec ma compagne, on a revu Apocalypto. Et toujours trop bien. Ah, merde! Oh, c'est abusé, là. Hey, je suis un bon client. Ouais, il sortait juste du 2. Ouais, non, mais je me souviens que c'était juste avant. C'est ouf comment il nous faisait attendre, n'empêche. Ouais. Ouais, avant, des fois, t'avais une attente. Mais même pour les films, hein, je sais qu'il y a des films. Ah, et t'avais une... Je sais qu'il y avait une attente de fou aussi pour attendre les films en VHS. Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert entre quand on devait attendre la sortie VHS du Roi Lion. Parce que je sais que le Roi Lion, je l'ai vu au cinéma. Et j'ai tellement aimé, bah, que je comptais toutes les semaines. Enfin. Parce que genre, je savais que ça allait sortir un an plus tard, tu vois, en VHS. Que, je sais que j'avais 11-12 ans, donc j'avais un peu pigé au bout d'un moment, que c'était à peu près un an plus tard. Et je me disais, oh là là, il va falloir attendre plusieurs mois et tout avant que ça sorte en VHS. Maintenant, c'est au bout de 3-4 mois. Ouais, c'était un an, c'est ça. Ouais, et pour les sorties ciné aussi. Hein. Et bah, pour les jeux vidéo, ouais. C'est énorme aussi. Et parfois, peut-être attendre un an entre la sortie ciné internationale et la sortie ciné française. Ouais, c'était très long aussi. Hein. Oh, fais chier. Avec ta cravate là. Donkey Kong. Bon, toi, c'est comme j'ai fait une quick save. C'est pas grave, c'est pas grave. Horrible ce passage. Ouais, moi, il me saoule un peu ce passage là. Ouais, du coup, voilà, on a revu Apocalypto et c'était toujours méga trop bien en fait. Genre, c'est toujours ouf. Et ça fait un peu rire parce que. Enfin, en fait, il n'y a pas très longtemps, on en a vu près. Après, il y a l'espèce de préquel suite là de Predator que j'ai trouvé ultra anecdotique de ouf. Enfin, j'ai déjà oublié ce que je sais qu'hier, j'en parlais à ma compagne. Elle se souvient de près. Elle m'a dit quoi? Tu sais, le film, c'est le Predator. Ouais, oh putain, elle a fait ouais, j'avais oublié ce film-là. Ouais, tu sais, on l'a vu il y a un mois. Bah, du coup, bah, à la fin d'Apocalypto, enfin, t'as une grosse partie du film où c'est un peu une traque et tout. Et c'est tellement plus ouf que près, tu vois. Enfin. Et du coup, je pensais après, du coup, quand. Ah, ça veut dire ça. Quand
quand j'ai regardé Apocalypto hier soir. Jamais osé le voir. Il se mate bien près, mais il s'oublie vite. Ouais, il est hyper anecdotique. Et puis. Ouais, je sais pas, c'est. Bah ouais, ça fait vraiment. Film OSEF. Enfin. Ah non, il est bien, c'est genre Apocalypto. Par contre, il est chaud, hein. Enfin, je veux dire. Il est quand même super violent, des fois. Enfin, je veux dire. Et puis, c'est chaud aussi. Enfin, il y a des trucs chauds, tu vois, parce que le. Enfin, j'ai assez, il y a des trucs très déchirants, tu vois. Moi, j'imagine trop les gens qui ont été voir ce film-là en se disant « Ah, je vais regarder un film historique !» Parce que finalement, c'est plus un film... C'est plus une sorte de... J'allais dire un thriller, non, mais plus une sorte de... Ouais, de mix entre film un peu horrible, genre de survie et de... Et de... Ouais, et de suspense, tu vois, un peu action, tu vois, aussi. Parce qu'il y a vraiment des séquences très action, donc c'est genre tension. Ouais, c'est vraiment pas un film... Enfin, c'est vraiment pas un film historique. J'ose pas le voir parce que ça a l'air assez glauque et c'est Mel Gibson. Quoi. Ouais, et puis Mel Gibson, il fait des trucs vénères. Enfin, non, mais c'est très très bien. Par contre, enfin, je veux dire, c'est enfin, vraiment. En plus, on l'a vu. Enfin, moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps que ça. J'ai peut-être dû le découvrir en 2014-2015. Non, plutôt 2015 parce que mon premier fils était plus. Était tout petit. Je me rappelle qu'on l'avait regardé pendant qu'il faisait la sieste. Et là, on l'a revu, puis en fait, c'est ma compagne qui a dit j'ai envie de revoir Apocalypto. Parce que comme on a dû ranger tout le DVD qu'on a là, parce qu'en fait, on a remis le placard en bas, bah du coup, on a rangé les films, et du coup, genre, en voyant les jaquettes, j'adorais Mel Gibson, petit, hein, mais il a vrillé. Ouais, il a vrillé. Après, il y a des trucs où je suis pas. Je sais pas, c'est un peu mystérieux encore, moi, je trouve. Puis ouais, puis il avait des problèmes d'alcool aussi, tu vois. Ils l'ont fait vriller, hein. Ah ouais. Mais ça reste quand même. Enfin, mec, il a fait des films juste ouf quand même. Tu vois, fin, mais même son premier, hein, le comment s'appelle. Bah, le premier que j'ai vu d'ailleurs, qu'il a réalisé, L'homme sans visage, et bah moi, c'est un film qui me faisait pleurer, tu vois. Et même lui en tant qu'acteur, hein, tu vois, genre L'arme fatale, j'étais. Je ça trop bien. Tu vois, il y a des films. Même Complot, tu vois, justement, bah, du même réal. De Richard Donner là, bah c'est. Ouais, c'est un mec que j'aimais bien quoi, quand même. Mais ouais, après il a un peu vrillé. Il y a des trucs où tu dis ah ouais, c'est un peu tendax ça. Attends, je vais sauvegarder. Et Complot, je l'avais vu au ciné, bon souvenir. Ouais, et tu sens que c'est Richard Donner en plus. Hein. Tu sais, t'as un peu le mélange entre. Bah, parce que lui, t'as l'impression qu'il joue Riggs, tu vois. Genre un Riggs en beaucoup plus parano, tu vois. Merde. Et je me suis mis ma bande son dans la gueule. À l'époque de la Passion du Christ, il s'est fait arrêter au volant complètement bourré. Bah ouais. Déjà, c'est déjà une faute grave déjà de conduire bourré déjà. Et il déblatérait des conneries antisémitophiques. Alors ça, ouais. Ça, je pense que ça, c'est problématique. Hein. Tu sais, c'est toutes ces sorties. Mais je crois que. Mais après, est-ce qu'il est antisémite, tu vois? Je sais pas, hein, parce qu'en même temps, il a fait des films où il, tu vois, où, enfin, je pense qu'il était un peu dans une sorte d'état second, où justement, où, parce que, bref, c'est dur, parce que c'est dur de pas essayer de faire genre, ouais, mais parce qu'il le défend, tu vois, non, parce que, c'est des trucs condamnables, tu vois, c'est pas de problème, hein, mais juste que, est-ce qu'il est antisémite? Je suis pas sûr, hein, tu vois, par contre, qu'il ait balancé des conneries antisémites, ouais. En mode mais j'imagine plus le mec hyper énervé qui balance toutes les saloperies tu vois que je crois qu'il a aussi balancé des il a balancé aussi des insultes homophobes aussi je crois non il n'y a pas un truc comme ça je sais que la Passion du Christ a été taxée de film antisémite par la communauté juive mais pareil le film je l'ai pas vu ouais mais en revanche dans moi j'ai un souvenir de trucs comme ça où il défend les juifs dans bah dans comment ça s'appelle. Bah dans L'homme sans visage, enfin, tu vois, enfin je veux dire, il y a des trucs comme ça qui collent pas, tu vois, en fait, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, mais après, ouais, il a de toute façon, quoi qu'il en soit, il a fait des sorties, enfin, qu'il l'ait dit, qu'il le pense ou pas, ou je ne sais quoi, bah ça reste des trucs condamnables. Enfin, de toute façon, c'est pas. Tu vois, ça devrait même pas.
T-Duck s'est abonné avec Prime. Merci T-Duck. Oh, il y a un petit truc à faire. Merci T-Duck, c'est gentil. Du coup, avant de partir... Ah, je suis mort. Ah. Ah, je peux... Attends, c'est où là? Ah, heureusement que j'ai fait le quick save. Sais, je pense que ça, c'est des jeux horribles où... Attends, charger la partie, Charger la partie. Puis même au-delà de ça, hein, Mel Gibson, c'est aussi un... Mais quand même, l'arme fatale... Ouais, l'arme fatale, c'est bien. Surtout les deux premiers. Ouais, puis c'est un très bon acteur. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un des meilleurs acteurs, c'est sa génération. Hein. Enfin, c'est un très bon réal. Enfin, tu vois, c'est quand même dommage hein, qu'il ait eu toutes ces sorties-là. Hein. À l'alcool et tout ça, tous ses problèmes avec sa femme et tout. C'est con, tu vois, c'est dommage, parce que putain, le mec, il... Et j'ai pas vu le film qu'il a fait là, il y a pas très longtemps, il a fait un film là, je crois qui est bien, je crois d'ailleurs, enfin, j'ai entendu des critiques dire que c'était plutôt bien. Mais ouais, du coup, bah, c'est dommage qu'il ait tous ces trucs là. Ah bon, il y a des trucs que, tu sais, j'étais pas au courant non plus, oh là, trop bien. Il y a des trucs qu'il ait dit et tout, je savais pas... Ouais, cracher des trucs. Oh, voilà, je me suis fait bouffer. Bon, remarque, ça me donne de la vie. Là, ça y est, j'arrive au niveau... Je me concentre un peu. Pardon, ça c'est un peu... Voilà. Marche toujours le micro, oui, il marche toujours. Ah, c'est bien, ça fait bizarre d'avoir un vrai micro maintenant, parce qu'avant c'était le téléphone en fait, le micro. Alors au tout début c'était le son du... Genre le premier live que j'ai fait c'était le son du PC, qui était dégueulasse. Et après c'était le téléphone qui était quand même super propre. Mais c'était juste un peu chiant parce que bah, des fois il se déconnectait, il fallait que je me reconnecte, etc. C'était un peu chiant ça. Ah. Bon, je vais sauvegarder là parce que il est bizarrement long ce niveau. Oh, comment il sauvegarde, comment il triche! Comment être riche, Moggy? Ouais, il y a eu un up en termes de qualité sonore. Ah ouais, t'as vu, je trouve que c'est encore mieux. Et ce micro-là, je l'ai eu il y a pas longtemps et j'avais hésité à le prendre parce qu'en fait, je crois qu'il doit avoir un problème dans le câble, enfin dans la prise derrière, parce qu'en fait, il y a des fois où il fait un petit bruit, un iiii, enfin c'est un bruit de une espèce de petit acouphène, tu vois. Et du coup, bah, je l'utilisais pas trop parce que c'était insupportable. Et là, j'ai dû réussir à bien le mettre, je ne sais pas. Ça le fait pas, et... en fait c'est selon comment je le place, je pense. Bon, ça dit, c'est quand même mieux. Ah, je viens juste de réapparaître. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, je vais re-sauvegarder, je suis désolé. j'ai peur de ne pas ces niveaux là. Je suis pas sûr que j'arrive à le finir. Hein. Ah, j'ai un bruit style acouphène aussi, mais avec mon micro-casque. Ah, tu penses que c'est dû à ton truc? Merde, j'espère que c'est pas moi, parce que bah, tout à l'heure, il faisait pas de bruit. Hein. Bah, tout à l'heure, justement, j'ai bien mis le son à fond pour voir s'il y avait du bruit. Bon, après, ça doit pas être très très gênant, parce que sinon, ça, tu me l'aurais dit. Le petit Duck ou tous ceux qui sont passés. Mais je m'en sers que quand je joue au stick. Je n'ai jamais joué avec un stick micro... Ah ouais. Ah! Oh non, non, non. Non, 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 je refuse. Je refuse. Je vais faire un truc où faut appuyer sur R4, sur... pas R4, sur F4. Oh là là. Ah, le exit. Le exit, je crois que c'était dans quoi ça, où ils disent... Je crois que c'était pas dans Sly Raccoon. Je sais plus, je sais que c'est un jeu comme ça où ils disent le exit. Il y avait un... Enfin, je crois que c'était traduit en bas ou je sais plus. C'était écrit ça en dessous. Ah, j'ai envie de faire pipi. Mais je peux pas.
Ah, il est déjà 10h45. Oh, c'est fou, quand on stream, ça passe vite le temps. Bah, en fait, quand on joue aux jeux vidéo, ça passe vite le temps. Mais je trouve que quand on stream, je trouve que le temps passe encore plus vite. Peut-être parce que je parle tout le temps, j'en sais rien. Ah, ces niveaux-là. Plus ça, c'est pas le premier que je fais là. Parce que je m'en souviens même plus de tous les niveaux que j'ai fait le mois dernier là. Tibidibi, bidibidibibi. Et oui, oui. Ah, ça fait plaisir quand même de retrouver un petit peu le stream. C'est parce que tu joues à des jeux que tu connais bien, ça. Bah ouais, je pense un peu. Hein. Puis c'est des jeux auxquels tu peux un peu parler quand même, tu vois, parce que c'est pas des jeux narratifs ou je ne sais quoi, enfin tu vois. En tout cas, où la narration est totalement mise en retrait. Oh là là. Oh, je voyais le jeu là, j'ai vu le jeu. Oh bah oui, bah bravo. Là, je l'ai moins bien vu là, le jeu. Ah, j'essaie de choper le... Voilà. Ah, tiens. Je peux t'assurer que quand tu sais pas où aller, que t'es bloqué, ça passe lentement. Ouais, c'est possible. C'est vrai que finalement, je fais beaucoup de jeux comme ça, hein, jeux de plateforme ou même... Ou alors, regarde, je sais j'avais fait... Merde. Je sais que j'avais fait Dr. Mario aussi, tu vois. Si, c'est vrai que j'avais commencé A Boy on His Blob, là. Et c'est vrai que comme tu y a un poil plus de recherche, putain, hors de question. Ouais. Et s'il y a plus de recherche là-dedans, il faudrait que je retourne dans le premier niveau pour me faire un max de vie. Parce que ça me fait chier de devoir à chaque fois charger la partie. Dernièrement, j'ai streamé du Cyberpunk. Ah ouais, c'était chaud par moment, tellement joué en mode Golemou. Ouais, puis c'est le genre de jeu où faut chercher. Ah merde, ah ça me saoule. Bah, je vais retourner en arrière. Ah, eh oh, je vais retourner en arrière. Ah oui, bah c'est avec ça. Mais non. Oh, putain. Attends. Ah c'est chiant ça par contre. Ouais. Bon tant pis, je vais rester comme ça. Hein. Parce que comme il me reste que 2 vies, enfin 3 vies là, bah c'est chiant. Il faudrait que je me refasse un stock de vie. Après c'est à moi de sauvegarder aussi, parce que je sais qu'on peut sauvegarder manuellement. Bah si j'arrive à faire ce niveau là, parce que non on peut sauvegarder aussi. Oh là là, ça c'est ce que j'avais fait bien tout à l'heure. Tu peux refaire le monde 1, ouais. Ouais, le niveau 1 je sais que c'était ce que je faisais. Je le faisais en boucle pour pouvoir me faire un stock de vie, tu vois. Faut pas que j'arrête trop tard le stream. Alors ça va, je vais m'arrêter vers 11h15, je pense. Et après, il faut que j'aille récupérer de la pizza. Il faut que je vérifie si c'est ouvert aussi. Déjà, c'est bien, déjà, c'est bien, ouais. Voilà, là j'ai eu un checkpoint. Oh non! Là je me suis arrêté là tout à l'heure. Je me suis arrêté là. Tiens. En plus, ils font tomber des ennemis. Oh là là. Oh lolo, tu peux... Ouais, mais je pense que j'en ferai ça, hein, je ferai le monde 1. Je vais quand même sauvegarder là, parce que ça me fait chier de tout refaire, là. Un jeu que tu utilises beaucoup la fonction... Mais je sais qu'on peut appuyer sur F, je sais plus quoi, mais j'ai oublié. Donc. Puis comme c'est pas toujours pareil, chaque émulateur, tu vois. C'est pas pareil pour les émulateurs. Pas pareil. Tiens. Qu'est-ce que j'ai fait sans... J'ai failli faire ça sans regarder. Oh là là.
Là, tu vois, je trouve qu'ils auraient pu te foutre un. En plus, c'est un peu bâtard, parce que je trouve qu'ils auraient pu te foutre un checkpoint là, parce que je trouve que c'est des niveaux casse-gueule de ouf. Eh, je vais sauvegarder, je peux pas. Hein. Parce que je trouve qu'ils sont très très dangereux, les niveaux là. Putain, avant, t'avais pas de quick save, hein, tu étais obligé de te reforcer à les niveaux. Alors, des fois, tu. Après, je pense que t'adoptais cette méthode-là, ouais, de recommencer plein de fois le niveau 1. Puis t'avais quand même la sauvegarde, hein, t'as la sauvegarde de. Que tu peux, merde. Que tu peux activer quand même. Tu vois, mais là, t'imagines, là? Là, normalement, là, je devrais recommencer là, tu vois. Enfin, hors de question, quoi. Hors de question! Hors de question. Oh. Oh, encore, j'ai fait la même erreur. Pareil. Pareil. Il faut que je regarde comment on fait pour charger. Que là, c'est vrai que là, ils mettent pas à côté le. À quoi ça correspond la save. La quick save, enfin, quel bouton. Ah, j'ai refait pareil. J'ai envie de pleurer quand même. Envie de pleurer. Parce que là, j'approche dangereusement de la fin du jeu, là, non? Non, non, trop tôt encore, putain. Puis je trouve que c'est. Il y a quelque chose de contre-intuitif aussi, je crois. Hein, ce que je me dis un peu. Puis bien, et voilà, c'est parce qu'on voit pas bien aussi le. Voilà. Et bien voilà! Oh, j'ai failli mourir, on a vu! C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oh, ça c'est un truc de vraiment de connard, ça. Et il y a des gens qui sont morts pour beaucoup moins que ça. Ah, mais c'est moi, j'ai pas envie de tout refaire, quoi. Enfin, en fait, c'est vrai que tu te rends compte qu'aussi on a moins de patience, parce que moi, il y a des trucs comme ça me fait chier de les recommencer 100 fois, tu vois. Putain, genre les enfants de l'époque. Bah non, on faisait ça, hein, c'était tranquille. Hein. Toc. Bon, ça, j'arrive plus ou moins à gérer ça, tu vois. C'est. Ah, oh, putain, c'est un truc de connard! Et Donkey Kong, c'est quand même des fois, c'est vraiment un truc de connard. Parce qu'il y a des fois, il y a vraiment des pièges. Je sais que les gens n'arrêtent pas de dire, Sonic, des fois, on voit pas le truc. Bah, sans déconner. Moi, j'aurais plein de trucs à redire sur même les Donkey Kong ou les Mario aussi, hein. Tout n'est pas parfait, même dans le game design, dans le sacro-saint game design intouchable Nintendo, il y a des trucs tu sais, qui vont pas. Hein. Enfin, qui étaient trop vaches ou trop, où fallait parfois. Enfin, où, fallait, genre, tous les niveaux de la mine. D'ailleurs, en parlant de Sonic, il y a le nouveau Sonic qui est sorti, où j'ai un petit peu envie d'y jouer. Merde. J'avoue, j'en avais rien à foutre, j'avais peur, je voyais genre la catastrophe, moi aussi venir, je me suis dit, oh putain. Et comme il y a des gens qui aiment bien, bah du coup, ça me donne un peu envie. Ah, la sortie, bah j'étais à la sortie quand même. J'étais à la sortie, ah bah voilà, bah là, je peux. Il me sert à sauvegarder lui, non, je sais plus, non, on va revenir en arrière. Ouais, si c'est ça. Ouais, bah écoute, je vais refaire genre les niveaux 1. Sauvegarder d'abord. Je vais aller aux toilettes aussi, je vais aller, parce que sinon je peux plus là. Bon, bougez pas, je reviens, je vais aux toilettes. Ah oui, c'est la musique, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, je reviens, bougez pas. Pouvez pas bouger, vous êtes.
Voilà, je suis de retour. Je peux qu'on m'entend loin, c'est bien, c'est bien. On m'entend loin. Alors, je vais refaire le niveau 1. Ça, c'est le début, tout ça. Ouais, youpi. Et on va aller là. Ouais, comme ça, je vais me refaire. Bah, non, je vais pas aller à la cave. Je vais retourner. C'est le début, là. Ouais, ouais, c'est le début. Cool! Comme ça, je me refais un peu une ou deux fois le. Ah non, c'est vrai qu'il faut. C'est pas tout de suite, ça. Ouais, je vais. Vas-y, faut que je revienne dans la maison en haut. J'aimerais refaire un stock de vie. Tu vas pas piquer des hannetons. N'empêche que c'est chez lui, tu vois. Pas très bien rangé, hein. Ah bah non, hein, ça donne pas des bonnes idées aux enfants, hein. Ça les incite pas à bien ranger leur chambre. Quand même. Paf. Ah, les premiers niveaux, qu'est-ce que c'est cool à refaire. Je sais que c'est le genre de jeu où, bah, comme ça devient de plus en plus difficile souvent, quand tu refais les premiers niveaux, bah, que t'as suffisamment de maîtrise pour un peu t'en foutre, tu vois, et bah, t'es quand même content de les refaire, parce que tu fais, oh là là, c'est agréable, c'est facile, c'est facile. T'es content. Tu vois, là, j'ai pied pissé, puis il y a plein de bananes et tout. Alors après, j'essaie d'aller en haut, par contre. Ah oui, bah, c'est peut-être avec Zouzou, là. Le Zouzou il saute plus haut, enfin il va plus. C'est pas comme ça qu'on peut le. Il y a un endroit où on peut foncer là avec la bébête. Ah voilà, et avec lui on peut péter le truc, je sais plus si c'est à gauche ou pas. Ou peut-être que c'est après. C'est après peut-être plutôt. La 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 la. Ouais, puis t'as toujours plein de vie au premier niveau. C'est un parfait moyen de faire plein de vie. Par contre, je sais pas où est l'autre bestiole là, l'autre. Ah, c'est pas. Ah, elle devait être. Ah merde, je crois que j'ai loupé. Eh, je reviens en arrière alors qu'il fait nuit. Je peux peut-être pas revenir bien, si. Au pire, c'est pas grave, je recommencerai, mais vu que je compte le recommencer. Mais ça, je trouve ça un peu cool, ça, comme effet de mise en scène où il fait nuit, tu vois. Ouais, j'essaie de retenter d'avoir la bestiole, quoi. Parce que c'est chiant. Là, là, là. À mon avis, le truc, il est en haut. La 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 la. Oh, merde, je voulais pas aller là. Je ne voulais pas aller là, je ne voulais pas aller là. Ah, je suis fatigué. Oh, c'était. Ah, il refait jour. Ah, ils n'avaient pas prévu ça, à mon avis. Ils n'avaient pas prévu qu'il y a un mec qui revienne derrière. Au moment de. Ah, d'ailleurs, ils sont réapparus là, les. C'est cool, attends. Est-ce que la vie est réapparue hein. Allez, au revoir. Oh, tant pis. Est-ce que les ennemis se sont revenus. Bien, ils sont revenus, ouais. Bah, je veux mon autruche, moi. Et je pense que c'est là-haut. Hein. Mais avant, je vais aller tuer les ennemis. Ça fait réapparaître des bananes, donc je refais un. Je refais le truc, hein, je refais le. Ah, c'est bien, je gagne plein de vie, là. Tiens. Je suis fatigué. Ah, j'ai bientôt arrêté, ça va être bientôt la fin du stream. Pour moi, que je termine sur la bestiole, là, sur l'obtention de la. Ah, bah voilà. Bah, elle est où, du coup, la bestiole. Elle est où. Merde.
Bon, c'est pas grave, hein, si jamais je loupe la bestiole là. Ouais, parce que vraiment, on a 3 bestioles à 3. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Ce sera la prochaine fois, mais ouais, du coup, je sais plus où elle est la. Le troisième. Est-ce que je peux revenir là-dedans? Non, je peux pas. Ah, je peux pas. Bah écoute, c'est pas grave, hein, tant pis. C'est pas grave. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Non, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Bon, c'est pas grave. Je veux pas aller là. Sauvegarder la position du jeu. Eh bien, dis donc. Moi, j'aurais quand même fait plein de niveaux, finalement. Je suis quand même content. Mais en start. Ouais, j'ai quand même bien avancé. Comme à mon compte, les petits bugs. Bon, après, il y a toujours 10 petites minutes de un peu de chili. Bon, bah, du coup, c'est bien. J'ai fait plusieurs niveaux, même des niveaux chiants. J'ai fait le niveau avec les temples. Et, Ah, puis voilà, ouais, puis bon, il fallait reprendre un peu la main parce que ça fait un mois et demi que j'avais pas retouché le jeu. Oh! Tiens, bah, dû reconnaître. Ah non, oui, c'est. Okay. Bah, je suis content, j'ai bien avancé. Ça m'a fait plaisir de refaire ça avec le nouveau micro qui est pas si nouveau que ça parce que je l'ai acheté il y a quelques mois. Et Bah, c'était bien. Hein. Je sais pas quand est-ce que je continuerai. Bah, du coup, là, je suis un peu parti dans mon truc. Peut-être pas vendredi prochain, mais. Bon, peut-être. Peut-être, je sais pas. Après, c'est vrai que je pourrais très bien streamer quand, genre, à un moment donné, quand. Ouais, mais le soir, je trouve ça compliqué le soir. J'ai toujours peur que, genre, les enfants se réveillent et tout. Mais c'est vrai que le soir, je pourrais, hein, avec Marie et tout, à certains jeux. C'est vrai que le soir, en fait, on pense plus souvent à jouer à des jeux vidéo ou à regarder des films ou qu'à streamer. Mais c'est vrai que c'était ce qu'on faisait pendant les vacances, là, les grandes vacances. C'est vrai que parfois, on streamait le soir. C'est vrai que streamer, c'est. C'est crevant, je trouve ça fatigant. Parce que ouais, il faut parler, il faut un petit peu. J'avais pas animé, mais bah si, quand même, en quelque sorte. Parce que c'est pas comme jouer totalement en off, on va dire. Bah, j'espère que c'est rigolo quand même, hein, c'est une bonne reprise. Hein. D'un coup, je reviendrai. Je sais pas si je refais ça cet après-midi, mais en même temps, non, cet après-midi, je sais, je vais faire. Est-ce qu'il faut que je fasse d'autres trucs, j'aurais pas le temps. Bon, du coup, c'est cool, c'était une bonne heure et demie de stream. Un peu moins, non, peut-être plutôt une grosse heure de stream. Mais c'était bien. Ça permet de reprendre. J'espère que c'est. Ça vous a plu, je reprendrai peut-être vendredi. Vendredi après-midi, parce que le matin, c'est. J'aurais pas le temps. Et du coup, je vais faire des bisous. Et vous dire à bientôt. Oh, quelle belle musique, ça, c'est Halo, ça. Ouais, c'est Halo ODST. C'était bien, ça a la tête de musique de ODST. En tout cas, voilà, je fais des gros bisous et je dis à bientôt, je vous laisse avec cette musique. Et à peut-être vendredi, peut-être cet après-midi, mais je suis pas sûr cet après-midi. Peut-être plus vendredi après-midi, peut-être. Je fais des gros bisous, au revoir!